La journée commence, t'as le soleil qui arrive et tout qui disparaît autour. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, la M Compagnie, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia. Avec la M Compagnie, la remorque M Compagnie, on va faire une belle livraison puisqu'on est à Krautergersheim sur Grand Utopia. Donc l'entreprise M Compagnie, on va prendre la D23, route qu'on n'a pas encore pris, on va passer en dessous ou au-dessus de la 6, l'autoroute. Pour finalement switcher sur la D24 et arriver, en passant par ce point d'interrogation qui doit être un concessionnaire, pour arriver ici, donc 13 minutes de trajet à Melan, jusqu'à Melan, donc dans l'idée de se rapprocher de plus en plus de MyGotopia, juste ici, MyGotopia, dont je vous ai un petit peu expliqué dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, enfin dans une des dernières vidéos, aujourd'hui on transporte du thon en conserve, 18 tonnes de thon, voilà, et on va directement partir. Vous voyez un petit peu ma caméra qui est différente de d'habitude. C'est un crash test et je suis pas mécontent en vrai. Alors on va voir par la suite comment ça va se passer. Vous m'en direz également des nouvelles en commentaire. On fait des tests. On va directement commencer la livraison parce qu'on va un petit peu discuter de pas mal de choses. Ah, la neige est revenue au fait hein. La neige est revenue puisque du coup on est en Alsace ici. Et il y a un petit peu de neige ici et là, mais rien de bien méchant. Déjà pour commencer, un grand merci pour tous vos commentaires vraiment hein, sur les deux précédentes vidéos d'Euro Truck avec le copain Arthur. Un vrai plaisir, un vrai bonheur, vous l'avez accueilli à bras ouverts, vos commentaires étaient incroyables. Un petit peu vexé de dire qu'il roule mieux que moi, non ça c'est mignon, mais de dire que je roule vraiment moins bien, alors ça m'a un peu vexé. Alors laissez-moi vous prouver le contraire durant cette vidéo, avec ce beau lever de soleil en bord de mer sous la neige. Vraiment, laissez-moi vous prouver le contraire, vous allez voir ma conduite, d'autant plus sous la neige c'est quand même quelque chose d'assez particulier comme exercice. Mais vous allez voir, normalement je conduis relativement bien. Mais voilà, c'est un plaisir, voilà, je suis trop content de vos commentaires. Vous êtes ultra chaud pour qu'ils reviennent. Et vraiment Arthur il a passé un bon moment, j'ai passé un bon moment aussi. Et moi ça me change des vidéos traditionnelles en solo. Et là ça me fait plaisir de faire cette vidéo en solo bien sûr. Mais ça change et ça fait extrêmement plaisir. Donc on en refera avec Zizir. Si Arthur il est chaud, dès qu'il vient chez moi, et ben on refera des petites vidéos Euro Truck comme ça. Si vous êtes toujours aussi chaud. Et donc toujours sur Grand Utopia bien sûr. Enfin sur Euro Truck en tout cas. Donc ça va être plutôt sympa. Est-ce que le cadre est pas magnifique en vrai? Le cadre est plutôt magnifique. Bon, donc voilà, j'essaye une nouvelle fonction comme vous le voyez, d'incrustation. Et franchement, c'est pas mal hein, regardez. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça dépend un peu de comment je me tiens, comment je bouge mes mains. Vous voyez un petit peu le mur bleu derrière. Tout simplement puisque j'ai enlevé le fond vert. Pour ceux qui ont suivi mes lives, vous le savez, sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. J'ai enlevé le fond vert derrière, je l'ai totalement dégagé. Et pourtant je peux quand même m'incruster dans le jeu en sans fond vert. Eh bien grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est plutôt technique pour ceux qui sont pas intéressés. Bon bah voilà, donc je vais pas trop rentrer dans les détails bien sûr. Salut copain. Mais voilà, donc c'est trop cool. En fait j'ai changé d'angle de caméra de sorte à ce que je puisse remettre un vrai décor derrière moi quand je suis en live ou pour d'autres types de vidéos. J'en avais marre du fond vert parce que vraiment ça... En plus c'est ultra morose le fond vert dans le studio un peu tu vois. C'est ultra morose, c'est chiant, je me sens pas... Voilà. Là au moins je suis... Moi j'ai mes vrais murs là, je vais les décorer au fur et à mesure des lives avec vos idées et tout. Merde, j'avais pas vu les travaux, j'ai pas anticipé. Donc malheureusement voilà, je vais pas pouvoir ralentir plus parce que sinon ce serait trop dangereux. Mais ça passe large. Bref, donc c'est le retour du décor. Et j'ai voulu trouver une solution pour faire de l'incrustation fond vert. Et en fait grâce à l'intelligence artificielle ça fonctionne ultra bien. Franchement ça fonctionne ultra bien. Regardez, le volant il disparaît un petit peu là. Mais est-ce que franchement c'est gênant entre nous? Est-ce que c'est gênant? Genre limite la qualité est meilleure que quand j'étais en fond vert. Parce que quand j'étais en fond vert il y avait des soucis de transparence. Mes cheveux ils étaient, vous voyez ce que je veux dire? J'étais transparent, mes habits, je pouvais pas porter des habits verts par exemple. Si j'avais des habits verts ou jaunes, je passais à travers. Alors que là, alors je vais peut-être vous montrer comment je peux faire. Vous voyez? Non vous voyez pas du coup. Attendez, j'essaie de lever mon pied. Oh putain. Vous voyez mon pied? Ah si je passe à travers. Ah si je passe à travers. Bon, j'ai rien dit alors. Mais c'est parce qu'il est pas au premier plan, attendez. Attendez. Regardez, vous voyez, j'ai ma jambe verte. Bah là avec le fond vert, normalement je disparais tu vois. Et là je suis pas disparu. Donc je viens de faire une séance de yoga mon pote là. Donc vraiment c'est super, je bug beaucoup moins avec ce système, c'est quand même formidable. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Moi du coup je suis super content. Est-ce que c'est vraiment gênant de voir le mur là? Franchement de temps en temps c'est pas bien grave, qu'est-ce qu'on s'en fout. Limite comme dit la qualité est quand même bien mieux comme ça. Donc voilà un petit peu, ça change, j'ai hâte de vous lire.
Moi, je suis trop content du coup. Voilà, on va pouvoir de nouveau place au vrai décor. Et voilà, c'est que du kiff. Hâte de vous lire en tout cas jusqu'ici. Donc là, il est 8h du matin, comme vous l'aurez compris, avec le lever de soleil. On traverse des petits chemins. Je suis pas sûr que quand il fasse 7 ans, il faut passer par là, mais c'est pas bien grave. Vous inquiétez pas, moi vous savez, je sais conduire. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas, bien évidemment. Non mais ça a fait plaisir à Arthur également les commentaires, donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Hop là, on prend bien comme il faut. Et vous voyez, je regarde toujours à droite quand je tourne. Chose que Arthur ne fait pas. Voilà, j'ai toujours ce besoin de contrôler parce que bon, bah forcément, t'as les réflexes aussi de le faire dans la vraie vie. Et comme j'ai tellement pris l'habitude de jouer en simulation un peu comme en vrai, bah c'est peut-être aussi pour ça que je prends cette habitude de regarder. Mais c'est pas forcément inné d'appuyer sur les boutons, donc voilà. Alors attends, là on va passer sur un petit pont. Hop là, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire une petite miniature, un petit screenshot aux petits oignons finalement là? Oh là là, moi je pense qu'ici, il y a une petite beauté à faire en direct. Moi je pense qu'ici les amis, il y a une petite beauté à faire. Si vous voulez mon avis, regardez bien. Regardez bien. Oh, c'est là que tu vois que Grand Utopia, plus la neige, plus lever de soleil, il n'y a vraiment rien de plus beau. Alors je prends une première photo pour sauvegarder, une petite inclinaison quand même, parce que c'est toujours sympa. La saturation, pas trop, mais un peu quand même. On va pas toucher. On va pas toucher trop au flou, vous voyez, la profondeur. En fait, ça changera pas grand chose. Je re-sauvegarde et je vais peut-être un peu bouger le temps, juste pour tricher, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. À moins que... Voilà, on va essayer de faire comme ça, même si c'est à peu près le même temps. Si je change finalement... Oh là là, regardez. Ah là, ça change tout de suite la donne. Hein. Là, ça change tout... Oh, là, c'est quand même peut-être un peu plus net. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on recherche. En tout cas, voilà, on a notre petit screenshot aux petits oignons qui sera probablement utilisé pour la miniature. Hop là. Très content également d'avoir fait des heureux dans la dernière vidéo justement sur Euro Truck avec Arthur, puisque je vous ai offert Euro Truck. Je vous ai offert deux clés. Alors, il y en a une, on sait à qui elle est arrivée, puisque du coup, il y a... alors, je me souviens plus de ton pseudo, je suis absolument navré. Enfin, c'était ton prénom même directement. Voilà, il y a un commentaire que j'ai épinglé d'ailleurs, pour dire voilà, merci, et que comme quoi, il a bien reçu Euro Truck. Donc ça, ça fait trop plaisir, merci. Alors le deuxième, est-ce qu'il y a eu vraiment un deuxième gagnant? Parce que ça se trouve, personne n'a vu la deuxième clé. Peut-être que si, peut-être que non, peut-être qu'il est resté anonyme. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder si jamais, voir si la clé fonctionne. On sait jamais, vous allez sur Steam, vous faites ajouter une clé Steam, vous rentrez la clé, les deux clés que j'ai mis dans la vidéo. Alors la première clé, elle a déjà été prise. Mais en tout cas, voilà, et ça fait trop plaisir de faire plaisir. Encore une fois, les gars, on en profite. D'ailleurs, on a moins 11% de réduction sur tout Eneba jusqu'à mercredi, les gars. Donc profitez-en avec le code HIVER, H-I-V-11-R. Vous passez par le lien en description, c'est encore mieux. Et vous avez 11% de réduction sur tout le site. C'est un truc de malade. Euro Truck, ça coûte 5 euros au grand maximum. Ok, c'est peut-être plutôt 4 euros et quelques. Tu rajoutes moins 11%. En vrai, tu te mets plutôt bien déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter pour les DLC, essayer ça. Voilà, je peux pas non plus offrir tous les jours un certain nombre de clés, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait plaisir. De toute façon, ça sort de ma propre poche. Là, j'avoue, il n'y a aucune collab avec Eneba directement. C'est que de la promo entre partenaires. Donc voilà, ça fait plaisir. Et là on se rapproche d'un Gerasemang de Melan. Donc là le pont qu'on a traversé, on est passé au-dessus de l'autoroute qu'on avait vu tout à l'heure. Donc l'autoroute, je sais plus combien d'ailleurs. A6 ça. Voilà. A6, couché. Couché, assis. T'as compris la blague, excellent. Donc là c'est limité 90, bien sûr on n'y est pas. On n'y est pas. J'ai oublié de présenter, bien sûr on est avec un man, hein, si je dis pas de bêtises. Man nouvelle génération, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, directement, parce que le logo c'est le nouveau logo Man. Hein. Oh yeah man. Désolé, hein, je regarde beaucoup à gauche, mais je trouve ça tellement beau les levées de soleil. Et il va falloir que je me refasse ça, comme durant l'été là. Vous savez, en gros, tu te réveilles à je sais pas quelle heure dans la nuit et tu assistes à un lever de soleil. C'est tellement sous-côté. Est-ce que vous kiffez les levées de soleil? Ah ouais, tiens, pour ceux qui ont pas regardé mes vlogs de cet été. Voilà, c'est vrai, j'ai pas pu faire le... Je connais pas vos avis. Vous préférez quoi? Les couchers de soleil ou les levées de soleil? Sincèrement, dites-moi. Sachant que les deux sont magnifiques, mais vous savez, il y a un côté différent chez l'un et chez l'autre. Donc dites-moi en commentaire, vous préférez plutôt les levées ou les couchers de soleil? Moi, j'ai mon avis. Sachant que... Alors attends, parce que là, il y a un problème, là. Il y a un problème dans l'intersection. On y va doucement. Ok, il faut que j'aille à gauche. Et ça, c'est terrible, j'ai jamais fait ça. Attendez, j'ai jamais fait ça. Ok, ça passe. Pas que je me trompe de bouton. Et là, on passe bien là. Ok.
Ok, on vérifie derrière, bien sûr, toujours. Voilà, nickel. Ok, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours regardé les couchers de soleil à la mer, au bord de la plage. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble les levées de soleil. Par contre, les levées de soleil à la campagne, à la montagne, ça, j'ai vécu. Et donc, du coup, je préfère les levées de soleil parce qu'il y a une autre ambiance. Alors, j'aimerais bien avoir vos avis. Il y a vraiment une autre ambiance, littéralement. Mais en même temps, si ça se trouve, les levées de soleil au bord de la mer, ça doit aussi être différent. Et peut-être pas aussi bien, ou peut-être justement c'est bien, j'en ai aucune idée. Mais je suis plutôt team lever de soleil du coup. Je vais vous expliquer pourquoi, mais j'espère d'abord que vous avez mis vos explications en commentaire, parce que j'ai pas envie que vous copiez mes explications. J'aimerais que ce soit vraiment votre avis sincère, et après vous pourrez dire si évidemment on a la même opinion ou pas. Mais moi je trouve que les couchers de soleil, bon bah c'est bien, t'avais toute la journée le soleil, et c'est magnifique, le soleil disparaît petit à petit, il fait de plus en plus noir, bam, et les étoiles apparaissent quand t'es pas dans une ville. Enfin, ça dépend où t'es. En bord de mer, ça, c'est pas le problème, ça c'est génial. Mais bref, voilà, donc quand t'as la campagne aussi, t'as les étoiles qui viennent et il fait nuit et c'est magnifique. Mais aussi, même en bord de mer, bah, y a beaucoup de gens et voilà. Mais c'est une belle ambiance, les couchers de soleil, c'est magnifique. Mais après, c'est la nuit, soit tu fais une soirée, soit tu dors. Et ben, le matin, les levers de soleil, c'est tellement différent parce que tu n'as pas eu toute la journée la lumière, puisque tu ressors de ta nuit. Il fait encore nuit, il fait tout nuit. Il fait nuit, tu vois rien, t'es tout seul, y a personne qui regarde les levers de soleil, personne. Sauf peut-être à la plage, je ne sais pas comment ça se passe. Et t'es là, et il fait nuit et tu as les étoiles, tu vois les étoiles. Et d'un coup, tu as de la lumière qui apparaît et tu vois le premier astre, la première étoile que tu verras de la journée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? T'as ce sentiment de ah, là tu respires, tu vis, la journée commence, t'as le soleil qui arrive et tout qui disparaît autour. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui vient de se passer. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Bref, t'as les étoiles qui disparaissent et tout, et ça fait une sensation incroyable. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est même pas là que je tourne en plus. Oh mon dieu, je viens d'écorcher le camion. Alors là, c'est un Renault Trucks. Ok. Ah, oh la scène. Putain, je voulais vous prouver que je roulais bien, et voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah aussi, et juste encore une dernière justification pourquoi j'ai enlevé le fond vert. Avec tout ce que je vous expliquais, la qualité. Bah non, merde, ça c'était la dernière raison du coup. Bref, le fait que c'est morose, que ça me fait chier, que je voulais de nouveau le vrai décor, etc. Mais c'est aussi la qualité qui change en fait. Au-delà de l'incrustation, tout ça. Mais c'est la qualité de la caméra, parce qu'en fait, il y a plein de filtres avec l'incrustation fond vert qui font que vous me voyez un peu plus pixelisé, un peu plus dégueulasse et tout. Alors que là, vous me voyez vraiment avec la qualité que ça doit être avec ou sans fond vert. Donc voilà, c'est tout. Fallait que je place cette phrase, voilà, j'avais envie de le dire. Qu'est-ce qui nous fait la voiture? T'as vu, il a fait un zigzag. Donc là, je regarde à droite pour vérifier de pas taper à droite. Arthur, il aurait pas regardé, il serait passé normal. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, regardez comme c'est joli quand même. C'est joli. On voit pas les lignes, on sait pas du tout c'est où qu'il faut tourner, on sait pas du tout. C'est pour ça que je me suis pris le truc sur le côté aussi. Je pense que je devais pas être au milieu de là où il fallait. Alors attends, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette intersection à la con? Eh mais je suis jamais allé à Meulan maintenant que j'y pense, hein. Ok, nickel. C'est joli. Je suis jamais allé là, hein, sur Grand Utopia, de jamais de ma vie. Ou alors, vu qu'il y a de la neige, ça, encore une fois, ça change tellement tout. Regardez en plus comme c'est joli là. La petite cascade d'eau, on se croirait dans les. Merde, on croirait la Moselle. Même si c'est pas joli en soi la Moselle. Ah oui, non, là c'est pas la Moselle. Mais là on dirait la Moselle. Ah, c'est joli pour ceux qui connaissent, bien sûr. Encore une fois, j'ai pas forcément dit que la Moselle était jolie. Bon, j'ai pas dit que c'était moche non plus. Hein. Ça dépend où finalement. Mais par contre, je vais faire un petit screen aussi. Je pense pas que ce sera la miniature. Mais vous voyez, moi j'aime bien faire des screens. Et puis surtout, ça rend vraiment sympa ici. Hop, petite photo. On change un petit peu aussi l'heure pour avoir un peu plus de jour. Voilà, et puis c'est plutôt pas mal en vrai. Et si on triche? Si on triche, c'est pas forcément mieux. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien mon copain. J'aime bien mon copain. Oh là, hep, 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 vous avez un CD de passage. Voilà, hein. Non mais là on me la fait pas à l'envers. Là je suis prioritaire. Si je dis pas de conneries. Bon là, j'ai un stop, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Petit passage piéton. On va attendre, lui il tourne à droite. Donc je vais pouvoir m'engager, même si en vrai ça se fait pas trop. Mais comme il tourne à droite. Et non, il a enlevé son clignotant, MDR. Voilà, il a enlevé son clignotant, finalement il va tout droit. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais s'engager. Parce que vous n'êtes jamais sûr. C'est bien, ça permet aussi de... Ah merde, c'est là que je dois tourner. Moi je suis perdu moi. Hop là, Titi.
Et voilà. Bon, à part quelques fails minimes, j'ai quand même bien roulé, s'il vous plaît. Oui, mais Arthur, il roule mieux que toi. Ouais, bah j'ai compris. Cette manœuvre-là, mon pote, tu te la mets dans l'œil. Mais genre vraiment, hein. D'ailleurs, le saviez-vous? Se la mettre dans l'œil, c'est plus vulgaire que de dire se la mettre dans le cul. Sachez-le. Parce que, à l'époque, se la mettre dans l'œil, ça voulait vraiment dire. C'était encore plus extrême. Œil, ça voulait dire vraiment, je crois que c'était la chatte ou quelque chose. Bref, il y a une. Et recherchez sur internet. Je vous jure, j'ai raison. Voilà, je mets le frein à main. Tac, on est tout bon. On est arrivé à destination. C'était absolument génial. J'espère que vous avez kiffé cette petite livraison. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ce que dont je vous ai parlé durant cette petite vidéo. Niveau 5, on n'est pas prêt d'acheter un garage et un camion parce que, avec ces niveaux, ça sert à rien d'acheter un camion puisqu'on ne pourra pas le customiser. On a 9000 balls. Bref, c'est pas un problème. Très prochainement, du coup, on ira. Probablement dans la prochaine vidéo, on ira sur MyGotopia, donc, et ça va être bien sympa. Plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner si vous me découvrez. Merci infiniment, mais abonnez-vous, la cloche, pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que c'est vrai que les vidéos Euro Truck, il y en a qui sont passées à côté, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas la cloche, ou alors parce qu'il y a des bugs YouTube, mais YouTube, bon, hey, YouTube, t'es un rebelle. Enfin, je te le dis, YouTube, tu es un rebelle. Allez, salut, salut!